À tous, c'est FabiMaster83 et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va continuer la série 3 attaques pour monter. Malheureusement, ce sera le dernier épisode pour faire place à la série Cartes Eliminator, qui sera une série. N'hésitez pas à regarder ma vidéo annonce. Et aussi, allez, on a fait un live sur la chaîne. Sur la chaîne de XXCharmXX83, et peut-être on en refait un ce soir. Bon, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Aussi, on a fait une vidéo sur la chaîne, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, on commence. On affronte King T-Rex. Ok, on va lui dire bonne chance. Donc, j'ai passé la horde de gargouilles niveau 4. Super. Ça, c'est pas mal. Ouais, on est un peu mieux là. Hop, on s'est fait sa petite sorcière. Non, sérieux. Ah, on va attendre de monter en élixir. On va monter à 10. On va devoir voir, ça va être. Allez, hop, il faut qu'ils arrêtent d'espérer sa tour à bombe là, parce qu'elle nous vient de gêner mon combat. Et ben non, ils vont pas détruire malheureusement. Qu'est-ce que je trouve? Voilà, c'est bon, on les détruit. Il nous faut de mettre un prince de l'autre côté. Franchement, quand une troupe elle tape une tour, ça fait trop mal. Le prince, franchement, il est trop cher. C'est trop mal. Il m'étonne parce que la tour elle a plus de soleil, on va bien voir. Les mini PK c'est pareil, il faut masquer là. Le Goro PK il en fait encore plus. Donc, excusez-moi si j'ai une voix un peu bizarre parce que je suis un peu fatiguée là. C'est à peine 7h du matin. L'heure où je tourne cette vidéo, c'est 8h. Ah ouais, 8h avant. Sachant que hier soir, je me suis couché tard, vu qu'il y avait le live et tout. Je suis couché vers 11h du soir. Excusez-moi. C'est la win, les gens. En fait, c'est pas en face. Et si c'est la win. Allez, ça fait 2-0. Ah, on a gagné. Un coffre en or. Ah bah cool. Mais ça c'est très bien. Si on gagne des coffres en or, je suis content. Alors. Allez, un petit coffre en or, comme ça. Hein. Bien sûr, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai déjà un coffre en argent. J'ai pas envie de dépenser 7 gemmes, sachant que je ne les ai même pas. Alors, je t'appelle JaiJai07. Je vais te dire bonne chance. Yeah.
Donc vous avez vos troupes bien EP, franchement, ça fait du dégât. Hein. Excusez-moi, je vais pas trop parler parce que j'étais concentré. Mais regardez, là, mon prince, il va mettre trop cher à sa tour. Voilà, il a détruit. Hein. Alors qu'il a à peine levé le coup. Les petits barbares, je peux toujours mettre derrière le géant squelette. Parce qu'après, ils ont le temps d'éviter la bombe en partant. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Les fléchettes qui ont un peu fait le travail. Malheureusement, mais c'est pas grave, on va essayer de lui détruire sa grande tour de centrale. Il lui reste moins de 1000 points de vie, donc c'est pas trop mal pour nous. L'arc de garou, c'est pas mal de dégâts, en fait. Entre un arc de garou, que je crois que c'est la win, et oui, c'est la win. 3-1. Et là, on est chaud hein, pour la vidéo. 2-0, 3-1. Espérons pas perdre, là. Hein. Je suis à combien de trophées? 940, c'est pas mal, ça. Il faut qu'on monte à 1100. On peut passer à Reine 4. Mais... la série, en fait, la nouvelle série, je ne la sortirai peut-être pas 10 de suite parce que en arène 4, j'aimerais débloquer des troupes. Donc je n'attaquerai plus pendant un moment pour essayer de débloquer quelques troupes dans les coffres et tout parce que sinon, on est mal barré. Il me faudrait pour monter arène 5 la TDE, le cochon, la Tesla. Il me faudrait surtout cette légendaire là que j'aimerais franchement bien avoir, le molosse de lave. Qui a l'air vraiment pas mal. Après en arène 5, il y a le sorcier de glace. Après il y a encore deux légendaires. Après une légendaire. Il y a des légendaires pratiquement dans toutes les arènes. Allez, on va attaquer maintenant. On est contre Suresh.S. Ça veut dire bonne chance. Je joue à ça, mais des smileys. Il a la horde de gargouilles de niveau 2. C'est pas plus mal qu'il est niveau 2. Pas des petits archers qui vont me faire mal. Hein. Barbare 7 contre Barbare 7. Qui va gagner, c'est des chiens, je suppose. Parce que c'était dans son camp. Et que quand c'est dans leur camp, bah il y a des tours qui tirent et ça fait mal. Moi je peux là passer niveau 4, mais j'ai pas 400 d'or. Moi j'ai que 300. Je meurs. C'est pas mal, mais il aime quand même un coup le petit mini pika. Hop, le mini PK qui va normalement se taffer ma mousse. Ça va faire mal, ça va mettre très cher. Oh non, quand même, je pensais que ça allait mettre plus cher. Et on lui a mis sa première tour. Ça, c'est cool. Ah, c'est très fort. Il est
quand là qu'on met la horde de gargouilles. Ça va vraiment bien nous servir pour retourner le son de nous. Ça a failli détruire une tour, la cible m'aurait larguée. J'avais perdu une tour. Allez. Je vais poser des fléchettes. Allez, il faut l'avoir. Il est presque. Il est juste devant. Allez, il faut taper. Allez, on essaye une autre fois. Oh, la dernière seconde, on a mis le 3-0. Bien joué. Eh bien, aujourd'hui, on a été chaud. On a fait 3 victoires pour le dernier épisode. Donc franchement, je suis assez content qu'on ait fait 3 victoires. Parce que d'habitude, on ne fait pas autant et c'est pas mal pour un dernier épisode. Donc la série, normalement, commencera un peu plus tôt. Il y aura peut-être des pauses quand je serai à Arène 4. Parce que en Arène 4, c'est vraiment très difficile de monter à Arène 4. Et je n'ai pas envie de redescendre. Excusez-moi, j'ai un peu le hockey. Donc on va se laisser là pour cette petite série, on va s'arrêter là, et on va se laisser là pour cette petite vidéo. J'espère que cette série vous aura beaucoup plu, vous pouvez me dire en commentaire si elle vous aura plu cette série. Sur ce, bye tout le monde.